Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2022. Aujourd'hui, microferme bio, épisode 5. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ramasse les patates, la canne à sucre, peut-être faire un petit peu d'ensilage. D'ailleurs, l'ensilage, ouais, il m'en reste encore que je n'ai toujours pas vendu. Et on fait ça, bien sûr, comme d'habitude, tout de suite après l'intro. Je vais aller vendre mes petites palettes de planches parce qu'on est à 4 000 euros, c'est pas un super prix encore une fois, mais si je veux pouvoir faire les betteraves dans cet épisode, il faut que je rentre de l'argent. J'ai pas vraiment le choix. Allez, on vend les palettes. À peu près comme d'habitude. Voilà, donc j'ai mis un ouvrier au fauchage, comme ça moi pendant que je m'occupe de la pomme de terre, j'ai mon ouvrier qui fait le fauchage et c'est très bien. Alors, pour ceux qui ont jamais vu comment ça se passe en vrai, en fait sur la machine vous avez des lames devant qui rentrent dans le sol et qui prennent les patates et la terre. Ensuite ça va sur un tapis qui laisse passer la terre mais garde les patates. Alors ensuite ça monte et en haut vous avez des opérateurs humains qui finissent de trier le plus gros. Une fois que c'est trié, ça va dans la trémie et après c'est déchargé directement dans les remorques. Alors comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez proche de la réalité ce qu'on fait avec Farming. Ce qui manque, ce serait d'avoir des opérateurs. Alors après ça obligerait de jouer en multi, mais pour les modeurs par exemple, je pense que ce serait pas bête de pouvoir au moins mettre quelqu'un derrière, même si physiquement il peut rien faire, mais au moins pour le style, qu'on puisse avoir quelqu'un derrière en multi, ça peut être assez sympa et ça pourrait faire RP. Alors oui, je l'ai déjà dit, mais bon, si on a un modeur qui nous regarde un jour, ben les gars, ce serait bien qu'on ait une production avec des patates. Genre, je sais pas moi, les frites, les chips, peu importe. Mais qu'on ait un petit truc, ce serait vraiment cool. Alors pour ceux qui jouent en vue d'intérieur, avec cette machine-là, le mieux, c'est de mettre votre roue droite juste après le troisième rang. Comme je fais là. Et du coup, vous arrivez à ramasser 3 rangs. Normalement c'est 2, mais dans le jeu vous pouvez arriver à ramasser 3 rangs, ça marche très bien. Bon, par contre, là j'ai planté 1300 litres de semences, et bon, honnêtement c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, je vais faire quasiment 30 000 litres, ça prend trop de temps, et du coup, si à l'avenir je vais avoir caisse culture et pouvoir vous faire des épisodes assez variés, il faut pas que ça me prenne autant de temps. Parce que sinon les épisodes pourraient être infinis. Alors aussi dans mes prochains objectifs, ça va être de trouver comment je peux amender mon sol. Ouais, parce que le grand enclos à vaches, enfin même le moyen, je veux dire, j'aurais pas la place. Parce que le petit, je vous rappelle, vous faites pas de lisier ni de fumier. Donc faudrait faire au moins le moyen. Et honnêtement, je sais pas si j'aurai la place d'avoir assez pour faire du foin, l'ensilage, la paille pour les RTM. Ça me semble compliqué. Donc, peut-être partir sur une usine biogaz. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis chaud pour l'usine biogaz. Honnêtement, alors, ouais, ça me fera faire peut-être un petit crédit, hein, on est bien d'accord. Mais ouais, je suis assez chaud. Je suis assez chaud. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ou dites-moi si vous avez un autre moyen pour amender autre que le digesta. Parce que fumier lisier, malheureusement, ça va être très compliqué. Et herbe radis, il y a certaines cultures où je vais pas avoir assez de temps entre les deux. Entre la culture et le semis. Donc ça me semble compliqué aussi,
Donc si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. Moi, j'écoute. Alors pareil, le ramassage des balles, c'est un truc que je trouve extraordinaire aussi en IRL. Honnêtement, avant de jouer à Farming, je savais que ça existait pour les balles carrées, rectangulaires, balles carrées. J'avais déjà vu, il y a beaucoup qui l'utilisent. Autant pour les balles rondes, je n'avais jamais vu. Et du coup, je suis content de voir que ça existe et que ça marche aussi bien. Alors, c'est sûr que ça fait pas aussi propre que dans le jeu. Comme vous pouvez voir, les balles, bon, comme c'est du fond, enfin, comme c'est de l'herbe, ça a tendance un peu à s'écraser et tout, donc ça fait pas aussi joli. Mais ça marche aussi bien que dans le jeu. Et du coup, ça paraît, niveau simulation, on est plutôt pas mal au final. Donc voilà, les pommes de terre, c'est fini. J'ai passé un coup de culti, j'ai semé l'herbe derrière, j'ai fini de ramasser les balles dans le silage. Donc les patates, c'est fini, l'ensilage, c'est fini. On va pouvoir avancer jusqu'au mois de novembre pour récolter la canne à sucre. Donc, ouais, puis allez, c'est parti. Et voilà, nous voilà au mois de novembre. Donc le mois de novembre, c'est l'heure de faire la canne à sucre. Donc pour ça, il nous faut la moissonneuse à canne à sucre. En d'occasion. Alors ça, si je pouvais l'avoir d'occasion quand j'en ai besoin. Et ça tombe le jour où je vais la faire en bio. Par contre, on a ça pour faire la betterave coupée. Et ça, du coup, ça m'intéresse vraiment. Donc, je vais prendre. Ensuite, donc pour la canne à sucre, il me faut une moissonneuse à canne à sucre. 45 000 euros. Alors on va la mettre, on s'en fout de la couleur, donc on va la garder comme ça. Et on va prendre une remorque. Donc bien sûr, la canne à sucre, je vais la faire avec le Fiat, parce que mon Fiat est en fine, alors que l'autre, non. Allez, c'est parti. Déplier la buse. En avant. Cale bien. Je suis pas trop mal. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, la canne à sucre, c'est un de mes trucs préférés. J'adore ça. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais j'adore ça. Je sais pas, je trouve que ça change, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus rigolo. Et puis, je sais pas, ça change, et puis ça change, et puis ça change, quoi. Tiens, en parlant de trucs que j'adore, de trucs rigolos, ce matin, tranquillou, pilou, comme tous les matins, je vais à la boulangerie pour acheter ma petite baguette, hein, cocorico. Et puis, enfin, vous savez, ma boulangerie est dans une rue, il n'y a pas de parking. En fait, c'est des places de stationnement, mais qui sont au bord de la route, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, bref. Et il y avait deux places de libre, et je voyais une personne qui arrive. Femme, et elle avait, vous savez, les petites voitures, alors pas une Smart, mais genre une classe A, un truc comme ça. Elle a essayé de faire un créneau sur deux places, et ben elle n'y est pas arrivée. Mais je vous jure que c'était, il y avait deux places, quoi, c'est-à-dire que tu rentrais en avant juste en tournant un peu, et c'était bon, quoi, t'étais garé. Elle a voulu tenter un créneau, elle n'y est pas arrivée. Et moi, si vous voulez, en fait, tu veux, IRL, je suis très gentil, très, très... J'aide les gens quand je peux, quoi. Donc, je toque à sa fenêtre et je lui dis, vous voulez que je vous la gare, madame? Mais, je vous jure, elle était en panique. Je pense qu'elle a cru que je voulais lui voler sa voiture ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, mais putain, mais dans quel monde on vit? Les gens, ils ont peur de tout le monde. Alors, certes, j'ai le crâne rasé, la barbe, je fais un peu tôlard. Mais, enfin,
Les gens sont devenus. Ils ont peur de tout le monde, ils ont peur de tout. Et je trouve que c'est quand même un truc de fou. Parce que je vous jure, les gars, je voulais juste l'aider. Et vous auriez dû voir. Mais j'ai cru qu'elle allait. Enfin, pas qu'elle allait appeler les flics, mais elle était vraiment en panique. Et du coup, le fait que je lui ai demandé si elle voulait que je l'aide, eh ben. Elle a reculé, elle s'est barrée. Et elle s'est même pas garée. J'ai halluciné. Bon, la canne à sucre, c'est fini. Alors, j'ai fait 22 500 et il en reste 500 dans la remorque à Cannes. Donc, j'ai fait 23 000, ce qui veut dire que j'ai le double de ce dont j'ai besoin. Donc, on va commencer à découper le champ de canne à sucre. Et ensuite, comme ça, on saura où on démarre avec les patates. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'ai un petit chemin entre mon sucre de canne et ma patate. Donc, on va pouvoir avancer le temps. Ok, donc là, j'ai un mois qui est pas trop mal pour les pommes de terre. Donc, je vais aller vendre les pommes de terre, la canne à sucre. Bah, je vais tout vendre. L'ensilage, enfin, je vais tout vendre. Là, au mois de janvier, on va tout vendre. Allez, c'est parti. On va vendre la patate. Ah, normalement, on a pas mal de quantité, mais en plus. Le prix est vraiment pas mal, donc on devrait prendre qu'un petit billet de 20, je pense, pas loin. Ouais, je pense qu'on devrait prendre un petit billet de 20 000. On va voir ça. 20 977. Plutôt pas mal. Les gars, je lis vos commentaires. Donc, vos astuces pour les prendre les palettes dans la largeur pour pas qu'elles bug, de prendre des trucs électriques et tout. Ça se doit peut-être aider un peu, je dis pas le contraire, mais regardez. Là, il n'y a pas de Manitou, il n'y a pas de trucs électriques, elles sont prises de nulle part ou quoi. J'ai juste le fait qu'elles soient les unes sur les autres, donc une sur une autre, ça bug. On va mettre ça. Voilà. Je le fous n'importe comment parce que ça va pas rester là. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'écoute vos commentaires. Donc j'ai mis un petit hangar pour mettre tout le matériel. Je l'ai mis à l'arrache et tout parce que je m'en fous complètement. Parce qu'il ne va absolument pas rester là. Mais bon, je sais que j'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait certains, ça ne plaisait pas que le matériel soit dehors. Moi personnellement, je n'avais rien à péter tout de suite. Mais bon, comme je le fais pour vous, ces vidéos, du coup, voilà, j'ai mis ce hangar, j'ai rangé le matériel dedans, les tracteurs ils sont là, la voiture elle est là. Après, je vous dis par contre, ouais, avec l'attachement manuel, ranger tout ça, ça va être juste une plombe quoi. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il n'y aura pas eu grand chose, mais bon, il y a eu des trucs qui m'ont pris vachement de temps quoi. Donc, voilà. Donc, du coup. Aujourd'hui, on a fait la patate, on a fait la canne à sucre. Sur l'épisode prochain, il faudra absolument planter la betterave. Et on va faire un petit point. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors, on a vendu pour 67 000 euros de bois. Et on a vendu pour 147 000 euros d'ensilage. Et on a vendu pour 20 977 euros de pommes de terre. Donc... on va essayer de faire ce qui serait bien pour rattraper le temps que j'ai perdu là dans cet épisode. Ce serait qu'au prochain je fasse la betterave plus le biogaz. Ouais, je sais, c'est ambitieux. Il va sûrement falloir faire du gros crédit. Mais je pense que si je veux rattraper le retard que j'ai pris là, il va falloir que je bombarde. Donc, prochain épisode, on essaiera betterave plus biogaz. Le biogaz, il ira, vous savez, de la petite branche d'herbe là, qui est sur le côté. Alors ça va nécessiter beaucoup de mode paysage. Donc il me reste pas mal de planches à vendre. J'espère que les planches plus l'argent que j'ai me paieront une bonne partie du truc. Mais bon, je sais qu'il va falloir que je fasse un gros crédit au prochain épisode. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Allez, salut!